thief. La relation au passé n'est pertinente que si le présent la reconnaît comme telle. Nadine Gordimer, extrait du recueil de nouvelles « Beethoven avait un 16e de son noir ». Azenani et Zinzi Mandela, sa fille cadette et sa plus jeune fille. 4 février 1969. Je ne sais pas, mes chéris, quand je reviendrai. Le juge blanc a dit qu'il voulait que je sois en prison pour le reste de ma vie. Gibson Kente, son neveu, auteur dramatique et compositeur renommé. 3 mars 1969. Je fais collection d'albums de chansons africaines. Soto, Zulu et Xhosa. Makaziwe Mandela, sa seconde fille, 16 février 1969. Un jour, dans un monde nouveau, nous vivrons tous dans le bonheur et la paix. Quand tu seras médecin ou professeur de sciences, quand tu utiliseras tes connaissances pour aider ton peuple pauvre et misérable qui n'a pas la chance de progresser, tu lutteras pour ce monde nouveau. Thank you.
Justice, 22 avril 1969. Dans certains cas, le recours à la violence est parfaitement légitime. Par contraste, nous attirons votre attention sur le fait qu'en commettant des actes de sabotage, nous avons pris des précautions particulières pour éviter la perte de vies humaines. À Madame Pekka Madikizela, belle-mère de Winnie Mandela, 4 mai 1969. Je n'avais jamais imaginé que je serais incapable d'enterrer maman. Sa dernière visite a fait naître des sentiments mêlés en moi. Je l'ai regardée s'en aller lentement vers le bateau qui devait la ramener sur le continent. Et j'ai eu peur de la voir pour la dernière fois. Azenani et Zinzi Mandela, sa fille cadette et sa plus jeune fille. 23 juin 1969. À nouveau, votre mère bien-aimée a été arrêtée par la police. Et aujourd'hui, maman et papa sont en prison. Il peut se passer des mois, peut-être des années avant que vous puissiez la revoir. Ne vous faites pas de soucis, mes chéris. Un jour, maman et papa reviendront. Et vous ne serez plus des orphelines sans maison. Alors nous vivrons dans la paix et le bonheur, comme toutes les familles normales. À Winnie Mandela, son épouse, le même jour. Les désastres arriveront et s'en iront, laissant toujours leurs victimes soit complètement brisées, soit renforcées et plus expérimentées. L'espoir est une arme puissante qu'aucun pouvoir sur Terre ne peut vous enlever. Rien ne peut être aussi précieux que de prendre part à la formation de l'histoire d'un pays. Ma dévotion à ton égard m'empêche d'en dire plus en public que je ne l'ai fait dans cette lettre qui doit passer dans de nombreuses mains. Un jour, nous aurons l'intimité qui nous permettra de partager les tendres pensées restées enfouies au fond de nos cœurs pendant ces 8 dernières années.
à Winnie Mandela, son épouse. 16 juillet 1969. Cet après-midi, l'officier commandant a reçu le télégramme suivant, envoyé par l'avocat Mendel Levin. SBP informait Nelson Mandela que son fils Thembi Kile est mort, 13 heures, suite accident voiture au Cap. Il m'est difficile de croire que je ne reverrai jamais Thembi. Il était venu me dire au revoir alors qu'il allait en pension. À Olive Nomfundo Mandela, sa nièce, 8 septembre 1969. Nous avons été arrêtés et mis en prison, non pas parce que nous avons tué, volé ou commis un crime quelconque, mais parce que nous réclamons la vérité, la justice. Nous vous aimions trop, à tel point que nous ne pouvions accepter que dans notre propre pays, on nous dénie les droits et les possibilités dont bénéficient partout ailleurs les êtres humains. À Winnie Mandela, son épouse, 20 juin 1970. Il nous faudra boire la coupe de l'amertume jusqu'à la lie. Les bons jours d'autrefois reviendront et la vie sera douce et guérira nos blessures. Magato Mandela, son fils, 31 août 1970. Ce 8 septembre, tu auras 20 ans. Il ne nous sera pas possible à maman et à moi d'être à la maison, de s'asseoir autour de la table familiale et de fête, de chanter joyeusement, de raconter des histoires et nous réjouir avec toi de nos cœurs. Mais nous penserons à toi. La famille est très fière de toi. Récemment, je me suis souvenu des jours et des événements du passé dans lesquels ton rôle déterminant m'est revenu en mémoire. Une époque où tu menais une vie heureuse. Thank you.
à Nomabuto Bala, une amie. 1er janvier 1971. Les rêves cosmopolites ne sont plus seulement désirables, mais représentent un devoir impérieux. Ils insistent sur l'unité spéciale qui tient ensemble les forces de la liberté. Un lien forgé par les luttes communes, les sacrifices et les traditions. Azenani Mandela, sa deuxième fille. 1er mars 1971. La musique d'Elvis est pleine d'entrain et populaire. Et je suis heureux d'apprendre que tu l'aimes aussi. J'espère que tu aimes aussi Myriam Makeba et Beethoven. Thank you.
Youssouf Dadou, camarade en exil à Londres. 1er novembre 1975. Aucune de ces lettres ne contient une note de désespoir ou de pessimisme. Chacune d'elles est un puissant tonique qui maintient mon sang limpide et ma tête claire. Chaque lettre qui arrive me rend plus fort et plus confiant que la veille. À Winnie Mandela, sa femme, 1er octobre 1976. Il y a toujours des activités pour garder l'esprit occupé. Discuter avec des amis, lire différents genres de livres, se détendre l'esprit, écrire des lettres à la famille et aux amis, et relire sans cesse les lettres revenues de l'extérieur. Malgré tout cela, je reste riche spirituellement. Directeur de Robben Island, 16 janvier 1978. La santé de notre plus jeune fille, Zinzi, a été affectée par les difficultés dans lesquelles elle a grandi. L'insécurité est causée par l'emprisonnement de ses deux parents, le désir profond de l'amour parental et la peur de l'inconnu. Directeur de la prison, Robben Island, 20 mai 1979. Hier, le bureau de censure m'a informé que la lettre de ma fille Zinzi avait été retenue au motif que mon quota pour ce mois a été atteint. À Peter Wellman, ami journaliste, 27 mai 1979. Au cours de mes années d'incarcération, de nombreux messages de vœux et d'espoir envoyés par des gens différents, rencontrés sur les chemins de la vie, ont forcé les massives portes de fer et les murs sinistres de pierre, apportant dans la cellule la splendeur et la chaleur du printemps. À Zinzi Mandela, sa plus jeune fille, 27 janvier 1980. C'était un geste plein de signification pour une jeune dame de passer son 19e anniversaire en traversant et retraversant les eaux polluées de l'Atlantique. Comme d'habitude, tu m'as laissé d'une humeur merveilleuse. À
à Winnie Mandela, sa femme. 26 avril 1981. Je continue à faire des rêves. Toi et moi, nous étions dans une petite maison au sommet d'une colline, surplombant une vallée profonde avec un grand fleuve et une forêt. Je te voyais descendre la colline, pas très droite, comme tu te tiens d'ordinaire et le pas hésitant. Tu baissais la tête en cherchant apparemment quelque chose à tes pieds. Tu as traversé le fleuve et emporté tout mon amour en me laissant seul et mal à l'aise. Hélène Joseph, son amie, 1er avril 1987. Quand tu verras Nadine, transmets-lui mes plus sincères salutations et tous mes voeux. Elle est devenue une formidable communicante dont les messages vont bien au-delà de l'horizon. Comme ces femmes sont devenues précieuses aujourd'hui. Zinzi Mandela, sa plus jeune fille, 31 août 1987. Quelqu'un que je n'ai pas vu depuis 25 ans environ, et dont je respecte grandement les conceptions, a dit la chose suivante. Zinzi est comme un petit rocher. Rien ne semble pouvoir la terrasser. C'est exactement le genre de remarque qu'un père aime à entendre à propos de son enfant tant aimé. Cela me gonfle d'orgueil et de satisfaction. Thank you.
directeur de l'administration pénitentiaire. 2 février 1990. Libération immédiate et sans condition. La déclaration m'a été lue le 22 janvier 1990. Nelson Mandela est entré en prison à 44 ans et en est sorti à 71 ans. Il divorcera de sa deuxième épouse, en épousera une troisième et gouvernera l'Afrique du Sud de 1994 à 1999. Stanislas, Guillaume, Cécile, Leen, Alice.